peut-être. Les premières phrases là, le Godier là, les bétés comprennent. Mais ça dépend des bétés de quel village. Je te demande, est-ce que tu sais, les bétés de Gagnoir comprennent le Godier. Donc moi je suis pas de Gagnoir. Et pour comprendre, je ne comprends pas bétés de Gagnoir. Tu comprends bétés de quel village? Les Guibérois. Voilà. Oui. Tu comprends ça? Oui. Tu parles pas? Non, je parle pas. On dit qu'il faut parler un peu bété. Hein? Mais eux n'ont qu'à me dire une phrase que je dois dire en bété. Ou bien en Yakuba, ou bien en Baoulé. Et puis toi, tu es une vendue. Tu me poses des questions en anglais. Toi, tu ne sais même pas parler au Godier. Tu ne sais pas parler à Vicam. Non, je parle un peu à Vicam par contre. À Vicam. Tu sais parler à Vicam. Un peu. Bon. Faut dire. Et en fait, j'ai quelque chose de compliqué pour me caler. Hein. Faut dire. Va là-bas. Faut dire. Faut dire, j'ai une brèche. Il y a la phrase qui me demande de dire. J'ai une brèche en Avicam. Dis. Ah. Ça te donne quoi même? Faut dire, j'ai une brèche en Avicam. Aussi simple. Hein? Je dis pas. C'est dommage. Faut bien boire. Ils sont en train de te montrer. Ils ont dit en Avicam. Attends, voir. Oui, ça doit être vilain. Hein. Avicam est trop joli. ATC, c'est dit, elle peut pas. C'est ça, non? ATC, oui, ça veut dire, tu peux pas. Tu n'as même pas honte. Non, on dit, faut dire bonjour à Yakuba. Babou. Yakuai. Oh, la valeur est trop derrière. Je suis trop derrière. Je vais te montrer une fois Yakuba. Ça m'intéresse pas. On doit partir à Man bientôt pour faire un clip. Oui, mais je ne suis pas. Si tu arrives à Man, mais on peut plus. Est-ce que je vais parler à Yakuba? Si on va à Man pour faire un clip, il faut quand même que tu parles un peu en Yakuba. C'est pas obligé. Si, il faut quand même que tu les blagues. Yakuba est lourd. Oui. Tu es bilingue. Comprends-tu? Toi, tu dis, tu parles Géré, tu parles Robert. Oui. Tu parles Yakuba, Yamla, Baoulé. Mais en Europe, moi je parle anglais, je parle espagnol. Il parle espagnol. Il y a la dernière fois, il a vu la vidéo du président. Il parlait espagnol. On dirait moi. On est parti à Marbella, il est mélangé. Il n'y a que moi qui parlais espagnol qu'il a appris à l'école là. C'est ça, il parlait. Et puis ça tuait. Et puis les gars comprenaient. Toi, t'as vu, me dit que oui, tu parles à espagnol. Si de nous deux là, c'est moi, il parle espagnol. D'ailleurs, mais tu n'as même pas fait espagnol. Juste tu as fait espagnol à l'école? Est-ce que tu as fait espagnol à l'école? Réponds. Oui, j'ai fait espagnol. Tu as fait espagnol? Tu poses une question en espagnol, tu vas me répondre. Tu me réponds, tu me dis ça en espagnol. Je suis en train d'aider José. Mais je ne suis pas en train de t'aider. Pourquoi tu veux que je dise ça? C'est parce que tu ne connais pas que tu dis. Non, il faut dire une phrase qui est simple. Je vais te poser une question. Oui. Avant que tu ne viennes me trouver là, à ma bière. Tout ce qu'il a commandé là, c'est du là, il a parlé plus mon vol. Non, c'était déjà parlé espagnol. C'était déjà le toi. Non, t'en mets, tu peux pas. Habla espagnol. Habla. Quoi? Habla espagnol. Mais pourquoi tu caches ton visage? Y'a rien sur le visage, y'a rien sur le visage. Habla espagnol. Yeah. Tu précises, c'est pas ton camarade. Au fait, quand Prési parlait, c'était je suis là quoi, téléphone. Et puis il me sent. J'étais dans ton téléphone. C'est TikTok. Qui est TikTok? J'étais dans mon téléphone. Puis quand il t'a dit que le jeune qui est en train de montrer la vidéo là, j'étais en haut là. Il dit Prési, quand il parle à la haute. Vas-y, oui. Non, je veux dire quand il parlait espagnol là. Oui, vas-y. C'est qui disait là? Continue. Je peux répéter tout ce qu'il disait. Vas-y, répète. Répète.
je parle italien, je parle espagnol, je parle allemand. Hein? On a laissé les discours comme ça. Hein? On a laissé les discours. Tu as laissé quel discours? Si, tu dis que tu peux répéter ce que le président disait. Non, c'est mon président, il a parlé, je ne peux pas dire ce qu'il a dit. C'est comme si, genre, je veux me comparer. Voilà, c'est comme si je le défiais. C'est vrai que lui, il a choqué dedans, il a bien prononcé. Mais moi, quand je parle, on comprend, tu vois un peu. Mais ce n'est pas top, top comme pour lui, mais il a tué. Mais il me sentait, quoi. Et il parlait, tu vois un peu. Tu te sentais, quoi? Ouais. Tu te sentais, quoi? Espagnol. Qu'est-ce que tu te sentais? Xavi. Tu connais Xavi? Tu connais Xavi? C'est un joueur espagnol. Donc, tu te sentais le gars là? Ouais, le gars là. Parce que tu parles ça? Il parle ça couramment. Couramment. Tu as fait, les gars? Tu as déposé, non? Ça t'a fait pour que tu fais boire. Donc, bon. Tu es aigu. Les gens nous regardent. Toi, tu m'as pas boire devant les gens là devant. Les gens nous regardent. Y'a. Les gens nous regardent. Donc, quoi? Y'a bon là, y'a. Quand tu m'as viré, quoi. Non, il pas me te virer. Pourquoi te virer? Mais je suis pas digne. Tu sais, c'est comme ça, comme si il me compare à toi, toi non. C'est rancunier. Quand il a déjà été viré, donc il me vire aujourd'hui. Y'a pas de tra. Tu t'es bombardé de médicaments, c'est vrai, tu tousses beaucoup, hein. Mais c'est mieux que pour hier, là. Ma maladie est devenue grave. J'ai pas dormi la nuit. Hier, là, tu pouvais pas rire sans tousser. Il pouvait pas rire sans tousser. Aujourd'hui, là, il peut rire un peu. Hier, là, il est cassé. Match nul, balle au centre. Bien. Il y a un but américain, tu sais. Non, les autres, t'as pas boire. Je suis guéri. Zambélé.